en fait, c'est la libération d'une partie de l'emprise du blocistique. Donc, ça consiste en la démolition de 19 blocus. Et également tout ce qui est évacuation des terres polluées identifiées de l'amiante, qui a été préalable identifié également. Et donc, à terme, on va concasser le béton de façon à pouvoir utiliser les matériaux propres pour le hub logistique. Hub logistique, donc sa fonction, c'est pour la construction des champs éoliens au large de Saint-Nazaire, c'est le point de concentration, d'assemblage, de rassemblement des grands composants qui arriveront donc dans les bassins de Saint-Nazaire sur les différents quais, donc les mâts, les nacelles, les pales, différents composants qui arriveront sur cette zone, seront assemblés, éventuellement en grands ensembles encore, préparé le long de la forme pour être chargé, pris en charge par les navires poseurs qui viendront les chercher pour les amener sur le champ de construction.